Salut les pâtissiers, je vous propose aujourd'hui une recette de brownie au chocolat super facile et puis fondante, un vrai délice. Vous allez vous régaler, je vous assure, vraiment, essayez-la. Allez, c'est parti pour la recette. Vous commencez par casser le chocolat en morceaux et vous ajoutez le beurre. Vous faites fondre tout ça au micro-ondes ou au bain-marie. Si c'est au micro-ondes, vous faites par tranche de 30 secondes à puissance moyenne en mélangeant entre chaque passage au micro-ondes. Dans un autre récipient, vous allez fouetter ensemble les œufs avec le sucre en poudre et le sucre vanillé. Et vous ajoutez le tout à la première préparation. Vous attendez que le chocolat et le beurre aient un petit peu refroidi. Vous mélangez bien jusqu'à avoir une préparation homogène. Puis, vous ajoutez la farine et vous mélangez de nouveau. Si la recette vous plaît, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, pour vous abonner à ma chaîne et puis cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez prévenu la prochaine fois que je poste une vidéo. Vous versez le tout dans un moule beurré et fariné. Je vous mets les références de mon moule en barre d'infos. Je vous mets aussi toute la liste des ingrédients, donc juste en dessous de la vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des petites pépites de chocolat sur le dessus. Ce sera encore plus gourmand. Et puis, vous enfournez. Pour vérifier la cuisson, vous plantez la lame d'un couteau au centre du gâteau et elle doit ressortir sèche, donc ensuite vous pouvez découper le brownie en petits carrés et il n'y a plus qu'à se régaler. Regardez comme c'est fondant, c'est vraiment trop bon. Et en même temps, c'est un brownie qui est quand même assez léger. Enfin, franchement, vous pouvez en manger plusieurs parts sans avoir mal au ventre, donc ça c'est quand même important.